Hi family, welcome back to my channel. For those of you that are stopping by for the very first time, my name is Patricia. So in today's video, I will be sharing with you some tricks and tips that help me get rid of any bad smell around the house and keep my house smelling very good. So if you want to know what they are, continue watching the video. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour toutes ces personnes qui me joignent pour la toute première fois, mon nom est Patricia. Alors dans cette vidéo, je partage avec vous quelques astuces qui me permettent d'éliminer les mauvaises odeurs dans ma maison et aussi de maintenir ma maison avec une odeur très agréable. Si vous voulez savoir quelles sont ces astuces, alors continuez de regarder. The first one is to open the windows of your house. Open the window of your house no matter the season. It doesn't matter if you're gonna open it only for 15 minutes, but just do it. Just open it. Your house wants to breathe. Your house needs to breathe. And just open the window and welcome that fresh air and let go all the bad smell out of your home. Alors la première astuce, c'est d'aérer la maison. Ouvrez les fenêtres de votre maison et laissez entrer l'air. Vous ne savez pas combien votre maison a besoin de respirer. Laissez sortir toutes ces mauvaises odeurs qui abîment l'atmosphère de votre maison. The second one is to eliminate bad odor coming from the sink. Oh my God. The kitchen, especially the sink, is that area that drives all the smell in your house. For a quick cleaning, all you need is baking soda and vinegar. If you don't have one of them, just use vinegar or baking soda. It will still work, but I will advise you in your home, do not lack baking soda or vinegar. They do magic. By the way, I have a detailed video of how to eliminate bad odor from your sink. You can always check that video out and see. Now I'm just giving you like what you can do quickly, but on that video I give you the details of how to eliminate bad odor from your sink. Alors la deuxième astuce, c'est de prendre très bien soin de votre lavabo. Alors pour ce faire, vous avez besoin du bicarbonate, du vinaigre et de l'eau chaude. Vous pouvez soit utiliser le vinaigre ou les bicarbonates, mais en tout cas, ne manquez pas dans votre cuisine ces deux éléments, les bicarbonates, des soutes et du vinaigre. Vraiment, ça joue un rôle très 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 important dans votre cuisine. Alors, j'ai une vidéo détaillée de comment prendre soin de votre lavabo. Je mettrai le lien quelque part au-dessus, comme ça vous pouvez faire un tour et regarder la vidéo. The third one is to take out all the trashes of your house. Trash from the bathroom, from the kitchen, from all over the place. Just take them out. Do not let them overnight, especially if you know that you put something in there that will smell. Take the trash out. There is a trick that I do to reduce the smell of the trash. After I put my trash bag, I will then drop some coffee in there. That way, if I open the trash, the first odor that I smell is the coffee. It reduces a little bit the strong smell of the trash. If you don't have coffee, you can use a curtain. Just put in some drop of your essential oil and leave it inside. La troisième astuce, c'est de sortir toutes les poubelles. Ne laissez jamais vos poubelles passer toute une nuit à la maison, et surtout que lorsque vous savez que vous avez déposé quelque chose qui va sûrement pourrir le lendemain. Alors sortez les poubelles. Il y a une astuce que j'ai fait toujours pour réduire l'odeur qui provient de poubelles, c'est de déposer ou de mettre les cafés dans la poubelle. Là, vous avez quand même une odeur qui est réduite. Si vous n'avez pas de café, vous pouvez toujours utiliser l'huile essentielle dans un coton et déposer les cotons dans la poubelle. The fourth tip is to take a good care of your fridge. Add some baking soda in the fridge. That way, all the smell will be absorbed by the baking soda. La quatrième astuce, c'est de prendre très bien soin de son frigo. Placez les bicarbonates dans les frigos et celui-ci absorbera toutes les odeurs de votre frigo.
The fifth one is to clean the microwave with vinegar, and that will kill all the bad smell coming from the microwave. How you do it is to place half water and half vinegar in the bowl, place it in the microwave and turn the microwave on for 2 minutes. La cinquième astuce, c'est d'éliminer les odeurs provenant du micro-ondes. Comment les faire? Chauffer une moitié d'eau, moitié vinaigre dans un bol pour 2 minutes. The sixth one is to boil some coffee or vinegar, especially if you know that you cook something that smells very strong. Sixième astuce, c'est de bouillir le café ou du vinaigre, surtout après avoir préparé une nourriture qui sent très forte. Or if you have a coffee maker, just make you some coffee, and this is a tip that I use all the time. Si vous avez une machine à café, juste préparez un café pour vous, et ça c'est vraiment une astuce que j'utilise tout le temps. If you have carpet flooring or rugs, pour baking soda before vacuuming and let it sit for 30 minutes. Si vous avez de carpettes ou les tapis dans votre maison, renversez le bicarbonate avant d'aspirer. Laissez reposer pour 30 minutes et puis aspirez. Pour some baking soda on your sofa, your chairs, your mattress, and that will help you eliminate bed odor. Faites de même pour vos canapés, vos chaises, vos matelas. Renversez du bicarbonate et laissez reposer 30 minutes et puis aspirez. Now, to get an amazing lasting smell in your living room, you can use some laundry dry sheets or some essential oil drops in the cotton. Place them under the sofa, under the chair, under the mattress, in the shoe rack. That will leave your home with a lasting amazing smell. Pour obtenir une odeur agréable et permanente dans votre maison, vous pouvez utiliser le serviette que nous utilisons pour sécher les habits ou encore de l'huile essentielle, quelques gouttes dans un coton, placez-les en dessous de vos canapés, de vos chaises, de vos matelas, même en dessous de vos tapis, dans votre rangement de chaussures dans les maisons, placez-les un peu partout et là vous auriez une odeur agréable et permanente. Now, place to my amazing and favorite solution. Prepare quarter of water, half of alcohol, and some drops of essential oil. You can use between 30 and 50 drops and shake it well and use it to spray around your house, in your curtain, every single way. You know, the same way that you smell food after cooking and the same way that your clothes smell food, that same way your curtain, your chair, the things around your house get the smell. So to get away of all the smell, prepare this solution and that will help you disinfect and remove all the smell before even you think of spraying anything else that you buy at the store. Alors, place à ma solution préférée. Préparez un quart d'eau, un demi-alcool et 30 à 50 gouttes de l'huile essentielle. Mélangez très bien et vaporisez tout autour de votre maison, surtout dans vos rideaux. La même manière que vous sentez la nourriture après avoir préparé, vos rideaux aussi sentent, vos canapés, des choses tout autour de votre maison sentent. Alors, cette solution vous permettra de désinfecter, mais en même temps, laissera votre maison avec une bonne odeur avant même d'utiliser le produit que nous achetons dans des stores, dans des magasins. Utilisez ces produits. Et aussi, je vous conseillerais de nettoyer vos rideaux 2 à 3 fois l'année tout en suivant les instructions écrites sur l'étiquette attachée à vos rideaux. Attention à cela, toujours lire les instructions. Do not accumulate dirty clothes in your bedroom, in the laundry. They can be a very source of smell in your home. Make sure that you do your laundry regularly and do not let them accumulate. Évitez d'accumuler les habits sales dans vos chambres ou dans votre salle à lessive. Ils peuvent être vraiment une source de mauvaises odeurs dans votre maison. Faites votre lessive régulièrement et surtout n'accumulez pas les habits sales. Shoes can be a source of bad smell in your house. To eliminate the odor,
Place some baking soda in the shoes and let it sit overnight. Or you can use some laundry dry sheet to do that as well. Alors, les chaussures peuvent être une source d'odeur dans votre maison. Les odeurs provenant des chaussures sont désagréables. Pour les éliminer, vous pouvez utiliser les bicarbonates, placez-les dans vos chaussures, laissez asperger toute une nuit. Ou soit vous pouvez utiliser les serviettes que nous utilisons pour sécher les habits si vous n'avez pas les bicarbonates. Alright family, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. Don't forget to like and subscribe. I will see you on my next video. All my love. Alors la famille, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Tout mon amour pour vous. Bye.